Ce résumé vous est proposé par Expedia et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Vanaken pour le centre. Oui. Est-ce qu'on peut reprendre ça? C'est pas, et c'est dégagé. C'est dégagé par Hazard, je pense, mais c'est Lang qui a frappé du droit. Oui, c'est Lang qui a frappé du droit avec ce ballon qui vient justement du côté gauche, qui a été dévié juste dans l'axe du but. Et Lang qui a repris ça d'une très belle manière, le ballon qui filait direct dans le but. Fameuse occasion, hein, Kali. Très très belle frappe de Noah Lang. Diatta, c'est bien, c'est d'ailleurs un très bon centre aussi avec Mata et Denis qui ne peut pas reprendre, c'est pas fini, Mata une deuxième fois, il est au sol et c'est dégagé. Oh, Clinton Mata, tout proche d'un but dans ce match, lui qui était attaquant à l'époque du côté de Penn, il s'est rappelé qu'il a marqué de nombreux buts à l'époque, par contre là il ne parvient pas à reprendre correctement, mais quel bel effort de Diatta. Oh là, Mignolet est passé à côté, c'est but ça rentre, oh là là là, malheureusement, c'est but et c'est Hazard. Thorgan Hazard qui marque, c'est dommage de la part de Mignolet, hein, qui est clairement fautif pour le coup. Simon Mignolet qui part à la faute et qui est puni par un de ses coéquipiers en équipe nationale, Thorgan Hazard pour le 0-1. On va revoir tout cela avec vous, Kalilou. Oui, mais Mignolet, c'est pour sa pomme. Hein. Mais vraiment, c'est vrai que là, il s'est complètement déchiré, Mignolet, sur cette sortie. Il est temps de se ressaisir au club de Bruges, surtout derrière, parce que pour l'instant c'est compliqué avec Witzel. Alain maintenant c'est 0-2, mais c'est pas possible. Cette défense de Bruges qui prend l'eau et Alain est encore là pour marquer. C'est son 9e but en 10 matchs depuis le début de la saison. Évidemment, avec un gars comme ça, ça se paye cash immédiatement. Philippe Clément est défait. Il n'est pas le seul parce que Bruges a montré de bonnes intentions au niveau offensif, mais défensivement, c'est une catastrophe. 0-2, même pas 20 minutes. Ouais, il va falloir qu'il se ressaisisse un petit peu parce que là, ça fait beaucoup en un minimum de temps. Et regardez, le seul qui est encore en action, c'est toujours Alain qui revient avec Axel Witzel qui remet ce ballon, qui cherche justement à la remettre sur Alain. Et malheureusement, pour eux, pour le club Bruges, encore une fois, personne n'est dans la course. Oh là, il est, oula, il est en retard, il est en oula, retard. C'est Alain, c'est 0-3. Il est en retard. Et vous l'aviez vu venir, hein, Kalilou, le 0-3, l'assise de Meunier, le but d'Alain. Le doublé pour Alain, 0-3, ça tourne à la casquette, en à la raclée. En retard, Crépin Diatta qui a laissé Meunier passer devant lui. Et effectivement, c'est Thomas Meunier qui remet ce ballon encore sur Alain, qui marque son deuxième but déjà de la soirée. Dortmund bien en place, hein. Parce que Dortmund a vraiment la vision sur le jeu brugeois, il n'y a pas vraiment de surprise. Peut-être maintenant avec Sobol, c'était pas mal, ça a le mérite d'exister, Kalilou. Oui, très très belle frappe de Sobol. Le quatrième n'est peut-être pas très loin non plus pour Dortmund,
Kalilou, je suis peut-être un peu dur, j'en reparle un peu avec vous dans quelques instants. On espère que cette situation peut aller au bout pour le club de Bruges avec Lang qui donne en direction de Denis. Denis dans le grand rectangle, Denis pour le crochet. Ah non. En deuxième, la frappe maintenant et l'arrêt de Bourki, vous dites ah non parce qu'il aurait dû frapper du gauche. Non, parce qu'il aurait dû tout simplement, lorsqu'il sort de son crochet, faire la passe dans la course de Ritz qui était justement dans la position du jeu. Ce résumé vous a été proposé par Expedia et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.